Il est prêt ton trou? Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le trou? Les fleurs. Des fraisiers. J'étais presque. Presque. Toi, il est prêt ton trou? Oui, presque. C'est juste que c'est bon. Voilà. C'est bon. Bonjour à tous. Cette vidéo parle de comment on fait pour planter les fraisiers. Allez, tu nous expliques comment tu fais pour planter des fraisiers. D'abord, tu fais un trou. Ouais. De 30 cm, tu peux. Ok. Ensuite, tu enlèves le fraisier du pot, tu le prends et tu le mets dans la tête, dans ton trou. Ouais. Puis dès que tu as fini de le mettre, tu rebouches le trou. Oui. Ensuite, tu prends des feuilles. Tu les mets autour du fraisier. D'accord. Mais ça sert à quoi, ça, de mettre les feuilles autour du fraisier? Ça sert qu'elles puissent se développer. Ouais, c'est des feuilles qu'on a mis à composter l'année dernière, qu'on a ramassées du jardin. Et les mettre comme ça autour du fraisier, ça va lui apporter de la matière, quoi. Ça va se dégrader, ça va faire de l'énergie pour le fraisier. Et ça va servir aussi un petit peu de paillage. Et après, on va mettre un peu de paille par-dessus aussi, pour que ce soit encore mieux au niveau paillage. Et que ce soit joli. Voilà. Allez, t'as encore deux fraisiers à mettre. Au boulot. Ah ouais. Alors, prends un peu de feuilles. Et puis des trous à faire. D'où ces fraisiers-là? C'est papa qui les avait achetés au magasin. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est des fraisiers que j'ai bouturés et produits dans mon jardin expérimental en permaculture. Hein, Pauline, tu peux le dire à la caméra, s'il te plaît? C'est papa qui les a produits dans son jardin. Mais non. Hein? On coupe.